des habitations sur le côté. Alors grimpe. Rien à signaler. Hey, vous avez trouvé quelque chose ? Tout est calme. Qu'est-ce que... En ma terre, en ma terre ! Ils nous foncent dessus! Prêteur, un sniper! On a un problème! Come on.
Attention, tu te casses! On n'est pas seul! Les choses plus compliquées. Ouais. Quelqu'un peut venir me dire bonjour à mon très gros copain. Sortir. Fraser, il y a une porte là-bas. Il y a peut-être un passage. Ok, on y retourne. Voyons où ça nous mène.
par ici. Il doit bien y avoir un moyen d'entrer dans la ville. Wow! Là-haut! Assav n'a pas dû trouver d'entrée, alors il s'en est créé une. J'aurais cru qu'Assav aurait plus respecté cet endroit. Assav ne respecte qu'Assav. J'aurais jamais cru découvrir un lieu plus spectaculaire qu'Alebidou. D'un côté, c'est dommage que Bélour soit caché aux yeux du monde. Maintenant, c'est pourquoi. Il doit bien y avoir un moyen d'entrer dans la ville. Wow! Là-haut. Assav n'a pas dû trouver d'entrée, alors il s'en est créé une. J'aurais cru qu'Assav aurait plus respecté cet endroit. Assav ne respecte qu'Assav. Jamais cru découvrir un lieu plus spectaculaire qu'Alebidou. D'un côté, c'est dommage que Bélour soit caché aux yeux du monde. Maintenant, c'est pourquoi. Un autre dieu? Je dirais que c'est un des rois, Oysala. Ils avaient combien de rois à l'époque? 11. Le jeune roi était le dernier de leur lignée. Son plan a marché. Il a protégé sa ville des Perses. Oh! On est déjà venu ici. Il vient revoir au-dessus des chutes d'eau. Ah! Bien! Et voilà, par là-haut. C'est de plus en plus spectaculaire. Et juste pour être sûr qu'on est bien à Bélour, voici le seigneur Shiva.
et lundi. Et j'imagine que là, c'est Ganesh. Dis-moi, avant que ça fait l'éléphant. Possible. Ça pourrait aussi être Kartikeya, le fils aîné de Shiva. C'est le dieu hindou de la guerre. Ils ont apparemment pris des chemins différents. Bon sang! Ils ont explosé l'entrée! Sûrement l'explosion qu'on a entendue. Sûrement une autre entrée. Ils essaient de nous ralentir. Ouais. Je suis là, Nadine. Quel drôle de goût. Soigne-toi. Je vais pas rattraper les autres. Je les vois. La ville est grande, il doit y avoir un autre moyen de passer. C'est quoi cet endroit ? Un bain ? Ou un puits ? Peut-être les deux. On est dans une sorte de cénote. Heather, par ici. J'arrive. Hé, hey, regarde là. La reine et ses servantes. C'était peut-être des bains royaux. Toute femme pour changer. Ça alors, c'est quoi cet endroit ? C'est quoi ? Un ancien manuscrit Canada. On dirait des strophes, peut-être un poème. On est dans une bibliothèque ? On dirait. On dirait un tambour. C'est un tambour. Il conserve toutes sortes de choses ici. Fraser, par ici. Qu'est-ce qu'on a ici ? De l'encens ou des herbes ? Wow.
Regarde ça. C'est incroyable. On dirait un genre d'hôtel. On dirait surtout que les rois souffraient pour leur peuple. Ils protégeaient pas juste la défense. Les historiens pensaient qu'elle était un symbole, mais... je commence à croire qu'ils se trompaient. C'était le symbole de leur peuple, de leur culture. C'était le symbole d'eux-mêmes. Alors c'est quoi ça ? Mon père est venu ici. Un gros coup, c'est sûr. Pourquoi il m'a rien dit, ce con ? Tu l'as dit toi-même. Il voulait te mettre à l'abri. Je peux pas laisser Asav s'emparer de cette défense. Non. Non, pas question. Merci. Tu me remercieras si on sort d'ici vivante. C'est pas faux. Oublie pas Ganesh. Contente de l'avoir pris. Magnifique. Toute cette splendeur cachée aux yeux du monde. Mais comment on fait pour passer ? Ok.
Voilà notre entrée. Ça marche. Chloé ! Ok. Merci d'être passé devant. Y a pas de quoi. Hey, tu vas bien? Désolée, laisse-moi le temps de reprendre mes esprits et je serai... Hey, hey, Nadine Ross! Ça alors ? C'est quoi ce bordel ? T'as repris tes esprits, c'est bon ? Fais ta maline ! Voilà notre entrée. À l'œil, tu sais. C'est un peu juste ici. Ah, salut! C'est une bien jolie ville. Cet endroit est inondé. Quoi ? J'ai dans les oreilles. Je déteste ça. Je donnerais tout pour une serviette. Oh mon Dieu. Tu vois ce que je vois ? Tu sais, là, tout de suite, je trouve pas les mots. Putain de bordel de merde. Bien dit. Quoi cet endroit ? Une salle de trône ? Une cachette pour une magnifique défense incrustée de joyaux ? Espérons. Des marches qui montent. Elles sont presque toutes cassées. Faut qu'on trouve un autre chemin. Merde! Je viens de percuter un truc. Crois savoir ce que c'est. Qu'on va bientôt avoir besoin du disque. Exactement. On peut pas faire grand chose tant qu'on n'a pas trouvé Asav. Ou jusqu'à ce qu'il nous trouve.
Pas de passage par ici. Une idée pour monter ? Je cherche. Par ici, Nadine. Ça marche. Là, on avance. Il y a encore quelques manivelles dans la salle. C'est quoi ce truc là-haut ? Chaque chose en son temps. Je sais. Je vais la tourner. La main bouge. Sois plus précise. La main droite. La main droite du bas. C'est peut-être parce que cette statue est énorme, mais je viens juste de remarquer que Shiva a un cobra royal en guise de collier. Bon, et maintenant ? Bah, il doit bien y avoir un truc. Il faut juste que je trouve quoi. Tu viens ? Je vais chercher de l'autre côté. Ok. Manivelle juste devant.
Je suis juste à côté. C'est la folie. Je sais. Je ferais mieux de bouger, moi. Pas de retour en arrière. Oh non. Oh non, 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 non. Merci pour le conseil, hein. Oh, j'ai eu chaud, là. J'ai failli laisser mon pantalon. Ouais, je descends tout de suite. Hop. Ah, ça glisse. Bien joué. Merci. Ah, voilà. Ok, je m'occupe de celui-ci. Et le tambour de Shiva descend. Oh, oh. C'est comme le trident. Faut qu'on bouge. Allez, saute vers le tambour. C'est un tambour en forme de sablier. Accroche-toi! Et maintenant, on fait couler l'eau de ce côté. C'est tout. On va vite le savoir. Ça a l'air de marcher. Ouais. Le troisième œil de Shiva. La lumière tombe sur cette statue de l'autre côté.
J'imagine qu'on n'a pas fini. Quand les Oysala veulent protéger quelque chose, ils le font pas à moitié. Allez. C'est quoi ça maintenant? Voilà. Le truc qu'elle porte, c'est un prisme. A l'air de marcher. Ouais. Maintenant, occupons-nous des deux autres. T'avais raison. Évidemment. À propos de quoi ? Nadine, sois gentille. Je le sais. Vu. Celle-là est cassée. Fais voir. Attends. C'est bon ? Ouais. Voilà. Tu fais une incroyable statue. Bon, ça a marché ! Attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vois rien depuis. Arrête de bouger une seconde. Toute cette eau, c'est une purification. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, c'est bon, tu peux reposer le miroir. Chut, ils nous ont trouvés.
Sortons par cette porte. Allons-y. Bien, vous avez fait une sacrée chute. J'étais presque inquiet. Venez, quelqu'un vous attend. Il n'a pas dit un mot, malgré mes efforts pour le convaincre. Sam ! Merde. Hé, t'es venu ? Désolé. T'en fais pas. Il frappe comme une fille. Vraiment ? Et si on enlevait ces menottes que je te montre comment frappe une fille ? Qu'est-ce que tu fous avec elle ? Tu m'as dit d'aller chercher de l'aide. Oui, mais... Je dois avouer que vous êtes plutôt du genre rusé. D'abord, vous volez mon disque. Puis, vous demandez à votre expert de me mettre sur une fausse piste. C'est très malin. Vous avez peut-être un peu de sang indien, finalement. Compliment. Bien. Finissons ce qu'on a commencé. Oh, et doucement.